Voilà, bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant les représentations des nombres négatifs en binaire. Donc, on a vu les deux premières méthodes, signe plus valeur absolue et complément 1. On a vu comment on pouvait lire et écrire ces chiffres, comment convertir. Et on a vu qu'il y avait un défaut qui était dans ces deux variantes-là, c'est qu'on avait deux fois le zéro, plus zéro et moins zéro, ce qui n'a aucun sens. Est-ce qui va, en fait, créer des problèmes pour tout ce qui est calcul. Je t'ai donné l'exemple de faire moins 3 plus 5 et on voit qu'on n'arrivait pas à plus 2 mais plus 1 parce que quand on passait par le moins 0 plus 0 avant de passer à la suite. Donc on va avoir systématiquement une erreur de 1. Et en plus de ça, chose qui est aussi embêtante, c'est qu'on perd un chiffre, on perd une position. Sur 8 bits, on a 256 chiffres différents possibles. Et si on regarde, 127 plus 127, 254 positions, plus le 0, 255. Donc en fait, on va perdre une position parce qu'il y a 2 zéros, ce qui nous fait passer à 256. Maintenant, pour corriger ce problème-là, on va voir la variante suivante, qui est le complément à 2, dont on a déjà parlé, sans parler de nombre négatif. Mais on a parlé du complément 1 de lui-même, on a regardé comment le faire. Et en fait, on va voir maintenant que ce complément 1 de 2 va servir à représenter les nombres négatifs et va corriger ce problème de plus 1 d'erreur. Maintenant, la structure est identique à l'autre, c'est-à-dire qu'on a le bit de signe ici et on a les 7 bits qui sont là, qui sont pour les chiffres. Maintenant, à nouveau, comme pour le complément à 1, on ne fait pas du tout de complément à 2 sur les chiffres positifs. Un chiffre positif se lit tel quel. Si vous avez un chiffre qui ici a un 0, ce qui est un chiffre positif, vous allez le lire tel quel. Admettons qu'on n'ait que des 0 et puis 1 et 1 ici. Donc on aura plus 3. On ne fait pas de complément à 2 ou d'autres opérations. On le lit tel quel. Ce que je vais vous expliquer ici, au niveau du complément à 2, c'est uniquement pour les chiffres négatifs. Voilà. Alors, par exemple, on va prendre un exemple de chiffre, un chiffre négatif, bien sûr. Si je veux représenter dans cette matrice ici le chiffre moins 77, ben, ce que je dois faire d'abord, c'est prendre le chiffre 77 et l'écrire lui-même. Donc le chiffre 77, c'est clair qu'on n'a pas besoin de 128. On a besoin de 64. Reste 13. On n'a pas besoin de 32. On n'a pas besoin de 16. On a besoin de 8. Reste 5. On a besoin de 4. Reste 1. On n'a pas besoin de 2. On a besoin de 1. Voilà, donc ça c'est le chiffre 77. Maintenant, pour écrire moins 77, c'est-à-dire pour rajouter le moins, ce que je dois faire, c'est que je dois faire le complément à 2 de ce chiffre-là. Alors, je rappelle qu'il y avait deux façons de faire le complément à 2, une façon beaucoup plus mathématique, une façon plus réflexion, plus graphique. On va utiliser plutôt celle-là, qui est selon moi plus facile. Donc on va jusqu'au premier 1. Dans ce cas-là, en partant depuis la droite, on va jusqu'au premier 1. Ben, c'est le premier. Donc jusqu'ici. Tout ce qui est en dessous du premier 1, on le garde tel quel. Donc ici, je mets le 1. Et tout ce qui est en dessus, je vais l'inverser. Comme le complément à 1. Donc 1, 0, 0. 1, 1, 0 et 1. Et on voit que quand j'écris ce chiffre dans la matrice de 8 bits qui est ici, j'ai alors le 1 qui est là, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc on voit bien qu'on a un chiffre ici négatif. Voilà. Pour l'écriture de ce chiffre-là. Maintenant, si
Vous devez lire un chiffre. On va prendre à nouveau un exemple. Alors, si je vous donnais ce chiffre ici, donc on va prendre 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Première chose, vous allez regarder le bit de signe qui est ici. Si il est à 0, vous ne faites rien du tout, vous lisez le chiffre directement. Si il est à 1, vous allez faire attention, vous allez mettre le bit de signe déjà en mémoire. Dire attention, c'est un chiffre négatif. Et vous allez faire le complément à 2. Complément à 2, on va jusqu'au premier 1. Dans ce cas-là, on va aller jusqu'ici. Voilà. Et puis, on inverse tout ce qui est au-dessus de ce trait et ce qui est en dessous, on le laisse tel quel. Donc, 1, 0. Et puis ensuite, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Donc, on voit qu'on perd le bit de signe. Il devient positif, d'où l'intérêt d'avoir stocké ici notre bit de signe. Et ensuite, on lit notre chiffre. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc, 64, 74. Donc, on a le chiffre moins 74 qui est écrit ici. Ici. Voilà. Ça, c'est le complément à deux de ce chiffre-là. Maintenant, l'avantage qu'on va avoir, c'est que du côté négatif, on va avoir le complément à 1 plus 1. On va partir plus du côté négatif. Donc, si je représente mon cadran d'horloge comme je l'ai fait avant, voilà, du côté plus, le chiffre le plus petit qu'on va avoir, c'est 4 fois 0, ce qui est le plus 0. Et du côté maximum, on va avoir 0 et 7, 1, ce qui est le chiffre plus 127. Du côté négatif, on va avoir le chiffre le plus petit, qui est le 1. 1 et 1. Et du côté maximum, c'est le 1, 0, 0. Et de ce fait-là, on va avoir maintenant ici. On avait le chiffre moins 0, mais vu qu'on se décale d'un cran, on va avoir moins 1. Et au maximum, ici, on va avoir, on avait le moins 127 plus 1, on aura moins 128. Et de ce fait-là, quand on va tourner ici, ben quand on va arriver ici, on va avoir moins 1, 0. On n'a plus deux fois le nombre 0. Ce qui va corriger l'erreur de calcul qu'on avait systématiquement. C'est pour ça que si vous regardez en programmation C, quand vous allez voir les types de variables, vous allez trouver pour certains types le chiffre le plus petit, moins 128. Pour les nombres signés, bien sûr, moins 128 jusqu'à plus 127. On a cette asymétrie qui vient d'ici. Voilà. Je vous mets ces deux vidéos à disposition ici. Vous avez sur le réseau les documents. Je vais vous scanner ceci. Il y a une toute petite erreur dans la première vidéo, erreur que je vais corriger. Donc, je vous le mettrai aussi à disposition
J'ai fait une petite erreur. Juste ici. Ici, il ne faut pas lire que des 1, mais il faut lire ici des 0. Et ici, il faut lire que des 1. Donc, il y a cette petite erreur qui s'est glissée dans notre première vidéo. Voilà. Donc, ça, je vais le corriger. Je vais scanner ces deux documents, vous les mettre à disposition. Vous avez les corrigés des exercices que vous avez faits pour cette semaine. Et vous avez le planning de cette semaine. La leçon qui était prévue cette semaine, on va la diviser en deux. Parce que la première semaine de tel enseignement, on a quelques petits soucis pour se mettre en marche. Donc, on va retarder un peu. Je vais vous mettre les exercices qui sont à faire pour la semaine prochaine. Donc, ce sera les exercices 23 à 28 de votre livre. Et vous ne ferez que les exercices A et B de cette série-là. D'accord? Voilà. Mais ceci, vous allez avoir sur le réseau. Donc, avec le web access, vous pouvez y accéder. Et là, vous aurez le détail de la leçon. Quel chapitre du livre, sous quel chapitre vous allez trouver ceci. La théorie, vous la trouvez aussi dans le livre. Et vous avez les exercices et tout ceci. Donc, je vous mets tout ça à disposition sur le réseau et je reste à disposition pour vos questions. Voilà.